En gros, les mecs, ils font un jeu d'horreur sur une histoire vraie qu'un fan, enfin que quelqu'un comme nous raconte. Voilà. T'envoies un mail, ah, il m'est arrivé ça dans ma jeunesse, machin, nana. Et eux, ils le font en jeu. C'est-à-dire qu'on incarne une vraie personne qui a existé et qui a vécu une vraie histoire dans la vraie vie. Et ça, c'est génial, le concept, il est top. Fear to Phasm, épisode 5. Woodbury Getaway. 8 décembre. Il me fallait un café pour en finir avec ma journée. Ah, on est au travail. Ah, la petite musique. Ça fait plaisir, hein. Ok, donc on est au taf. C'est génial de voir la vie en bas comme ça. T'as vu? On voit les voitures passer et tout, c'est trop bien fait. Hein. Ok, bon, on va se faire un petit café, les crozes. A little coffee. On peut courir. Ok. On peut s'accroupir. On peut zoomer. Très bien. Le son, vous me dites si ça va. J'entends un clavier là. Il y a quelqu'un? Ah, il y a quelqu'un. Monsieur? Collègue? Qu'est-ce que tu veux, Sid? J'essaie de finir ça. Je voulais juste voir si tu avais besoin de quoi que ce soit. Désolé de te déranger. On va lui demander s'il veut peut-être un café. Ils peuvent pas se décider, ces clients. Tu travailles toujours sur ce compte-rendu? J'essaie d'en finir. Bonne chance. Bon, ça va, on n'est pas tout seul. Le son est OK? Salut, courant! Bon, du coup, petit café. Il fallait que je prépare une tasse de café. Il manque de l'eau. En tout cas, c'est réaliste. Ah, ça me donne envie d'un café maintenant, les roses. Ils m'ont donné envie d'un café. J'avais besoin d'un couvercle. Un couvercle? Là? Ah là. Voilà. Allez, santé les crozins. J'avais besoin d'aller aux toilettes. Moi, ce qui m'angoisse dans ces jeux, c'est que je sais que je joue à une histoire vraie qui s'est vraiment déroulée comme ça, et c'est ça qui me m'angoisse. C'est ici les chiottes. Alors du coup, on est une femme, hein. C'est par là. Par ici. J'ai pour jeter. Y a pas une poubelle ici? Quand même. Hop. Burk pas bon le café. Oh, je m'y suis fait moi. Allez, on va pisser un coup. Il y a des bruits de pas. Il y a quelqu'un devant ma porte là, non? Bon, on incarne une femme, Kiki, c'est normal qu'elle fait pipi assis du coup. Attendez, je crois que j'ai entendu des bruits de pas devant ma porte là. Y a quelqu'un là-dedans? Allô? Papa, comment? L'enfoiré! Je m'en doutais.
Non mais c'est des malades, c'est quoi ce jumpscare de fou dès le début du jeu là? Sérieux? Ils ont osé? Ouah madame, désolé, je savais pas qu'il y avait quelqu'un là-dedans. Vous avez failli me faire un arrêt cardiaque. Je suis vraiment navré, j'aurais dû toquer avant d'entrer, mais généralement, il n'y a personne à cette heure-ci. Oui, vous auriez dû toquer, espèce d'enfoiré. Encore une fois, je m'excuse, je le fais d'habitude, mais je suis un peu frustré ce soir, ça a dû m'échapper. Qu'est-ce qui vous a frustré? Quelqu'un n'arrête pas de lancer des gobelets de café sur le sol partout dans le bureau. Ça fait des semaines que ça arrive. Ok, en gros, on peut dire « Ah bah ouais, c'était moi. C'est moi qui jette les gobelets. » Et on va dire ça. Non, non, on est gentil en vrai. Oh waouh, c'est vraiment pas cool, je dois y aller. Bah c'est une bonne nuit. Oh, il est suspect lui, hein. Les creuses. Sur une échelle de suspect, il a combien lui? Je le note 9 sur 10 moi. Ah bah Siraya 9 aussi, tu vois. Bizarre le gars. Hein. 12. Bon, eh bah très bien. Est-ce qu'on doit retourner au bureau? Oui. Je parie, c'est lui le tueur. Très fort. Bonjour. Hey, Harp, it's Mike. Salut, Harp, c'est Mike. Salut, Mike. I've been trying to call your cell for the last 2 hours. It just keeps going to voicemail. J'ai essayé de t'appeler sur ton tel pendant ces 2 dernières heures. Ça tombait en boucle sur ta boîte vocale. Tout va bien? Ma batterie crève au pire moment. Oh snap, I was starting to think maybe you were ignoring me. J'ai commencé à croire que tu m'ignorais. Non, ça s'est carrément interrompu pour un client plus tard. I'm just kidding. what are you still doing at work? It's getting kind of late. Qu'est-ce que tu fais encore au travail? Il se fait tard. Damn, Harp, that sounds rough. Good thing I called to cheer you up. About our trip, did you get a chance to book the rental house? Just really wanted to see you. And Nora. À propos du voyage, tu as eu l'occasion de réserver la location. Je veux juste vraiment te voir, toi et Nora. J'allais le faire après le taf. No worries, Harper. I don't want to stress you out. As long as you book it tonight, I think it'll be fine. Hey. I was thinking, since we both live in the city, maybe I could pick you up and ride together. It'd be nice to catch up. Ah, je crois que je commence à comprendre les creuses. Le petit Mike là, je crois qu'il a le béguin pour nous. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai l'impression qu'il nous drague un petit peu, non? Vu qu'on habite tous les deux en ville, peut-être que je pourrais venir te chercher et on roulerait ensemble. Ce serait chouette de rattraper le temps. Il y a peut-être une histoire entre nous et Mike. À retenir. You know, save on gas and relive the good old days. Just a little bit of Mike and Sydney time before Nora gets there. Économiser de l'essence et revivre le bon vieux temps. Juste un peu de moment Mike et Sydney. Avant que Nora arrive. C'est ça. Great. I guess I'll let you get back to work then. Oh, wait, one more thing. When you book the rental, please make sure to keep it under $100 a night. Quand tu feras la résa, assure-toi de rester en dessous des $100 la nuit. Nora and I were talking and she's been on a pretty tight budget. Things haven't been going very well for her. Nora et moi on discutait et elle était short niveau budget. Ça n'a pas été idéal pour elle dernièrement. Ok. It'll be just like the old college days. You always had a knack for finding the best spots. Remember that little cafe you found on our trip to Oregon? Right. Right, of course. Sorry for yapping. I'm just excited, I guess. All right, talk to you later, Harp. Du coup, là, ce qu'on doit faire, c'est réserver le Airbnb, en gros, pour nos petites vacances entre copains, quoi. Est-ce que je peux réserver de mon PC? Oh, la petite musique en fond, je sais pas si vous l'entendez. Non.
Alors, est-ce que je peux réserver de mon PC? Attendez, on va checker ça. Internet. Rentacabine.com. Ah, c'est ça. On va à Woodbury, les Crozins. Oh! Ah non, $350 la nuit. Le Mike nous a dit qu'il fallait prendre une cabane à moins de $100 la nuit. Et là, on est à 350, c'est trop. 249, c'est trop. 199, c'est trop. Là. $99, c'est parfait. Private cabin in Woodbury. À deux avis, 3 étoiles. Ah, c'est pas fou. Il y a la wifi. Il y a un jardin, il y a la télé, il y a la cuisine, on peut pêcher et il y a une place de parking. Ça a l'air chouette, non? De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Ouais, tout le reste est trop cher. Faut qu'on parte sur elle. Salut Max. On va partir sur celle-là. Alors, fais voir un peu les photos. Ça a l'air chouette de fou. Je peux pas voir les reviews. Oh, ça a l'air bien. À mon avis, si c'est pas cher, c'est qu'il y a 2-3 cadavres à la cave, mais c'est pas un problème. Ok. C'est fait. Mais Kiki, tu t'arrêtes pas? Qu'est-ce qui t'arrive? T'arrêtes plus? C'est gentil. T'offres un sub à qui, du coup? À Max, merci. Eh, imagine que tu reçois des centaines, voire des milliers d'histoires chaque jour, donc je vais te donner un résumé rapide d'un truc qui m'est arrivé. Ah, les crozes, énorme! On va lire le mail de l'histoire de la fille, là. Le mail qu'elle a envoyé au développeur. On va lire le mail qu'elle a envoyé au développeur, donc écoutez bien. Hey, j'imagine que tu reçois des centaines, voire des milliers d'histoires chaque jour, donc je vais te donner un résumé rapide d'un truc qui m'est arrivé. Je suis désolé si c'est rédigé bizarrement, mais j'étais dans le rush. Au début de ma vingtaine, je travaillais dans un gros cabinet de conseil dans ma ville. La vie au cabinet était un jonglage constant de deadlines et de rendez-vous clients, tout en essayant de prouver ma valeur. Ce qui m'a laissé peu de temps pour les loisirs, sans parler de ma vie sociale. C'était bien payé, c'est sûr, mais au prix de ma santé mentale. Je suis Sydney Harper, et cette histoire prend place durant une de ces journées. Un de mes amis de la fac, Mike, donc celui qu'on a eu au téléphone juste avant, a proposé de faire un week-end d'escapade dans la campagne du Vermont. Jusque-là, tout va bien. Ce qui sonnait comme une pause parfaite dans mon cycle de travail. Et mon autre amie, Nora, a également vite embarqué avec nous. Donc, on est trois. Le plan était simple. On loue une petite cabine. On finit notre journée tôt le vendredi et on rentre le lundi. Donc, on y passe vraiment tout un week-end. Mike est venu me chercher. 2 jours plus tard. Ah, on n'a pas la suite? Ah non. Ah, il nous spoile pas, c'est bien. Ah, il est là, Mike. Bienvenue, Nani. Salut, il fait froid aujourd'hui, hein. C'est qui? Attends, c'est Mike ou pas du tout, là? Je t'ai déjà vu dans le coin, mais j'ai jamais eu l'occasion de me présenter. Je m'appelle Gaël. Ah, c'est pas Mike. Je suis Sydney, ravi de te rencontrer. Bon, il a l'air gentil. Tu es au 10e étage, c'est ça? Je suis au 8e. Attends, comment il sait que je suis au 10e? Bonsoir Nani, ça va? Attends. Comment il sait que je suis au 10e? Je vais lui dire, hein, comment tu sais, c'est bizarre. Je t'ai juste vu quelques fois t'arrêter au 10e quand je rentre tard du boulot. Qu'est-ce que tu fais comme métier, Gaël? Je suis ingénieur software, et toi? Je travaille dans un cabinet de conseil en ville. Oh, je vois. Enfin bref. J'espère que le reste de ta journée se passera bien. Je dois faire quelques courses avant qu'il commence à neiger. Toi aussi. Oh, ça va, l'échange... Oh, Mike! On m'appelle. Salut, Gaël!
Échappe pour lire les messages. Oh, mais il y a de la vie dans ce jeu, attendez, c'est incroyable. Alors, wow! Ah, je crois que c'est Mike, attendez. Mike, attendez, on va lire les messages avant. Rick Wilson, salut Sydney, merci d'avoir réservé ma... Ah! Rick Wilson, du coup, c'est le... C'est le gars qui nous héberge dans... C'est sa cabine. Enfin, sa cabane. Merci d'avoir réservé ma propriété à Woodbury du 10 au 12 décembre. Je suis Rick, votre hôte. Prévenez-moi si vous avez la moindre question et n'hésitez pas à me demander quoi que ce soit pendant votre journée. Je suis enthousiaste de vous héberger. Merci, Rick. Merci, Rick. Nous avons hâte. Juste pour être sûr, le check-in est bien à 15h ? Oui, c'est exact. La clé sera dans un coffre-fort au niveau de la porte de devant. Le code est 5176. Les Creuses, je compte sur vous. Appelez-moi si vous avez le moindre souci pour l'ouvrir. Je vous souhaite un bon visionnage. Un bon voyage. Parfait, merci. Ok. Donc ça, c'était Rick Wilson, le... L'hôte. Le proprio. Et là, c'est qui, Mike ? C'est Mike ? Yo, Harp, comment tu vas ? Mike, chuch, je suis juste crevé. Je voulais partir me coucher directement pour cette nuit. Et toi ? Pas grand-chose. Je suis juste de garder la tête hors de l'eau, mon pote. Ça se passe comment à ton nouveau taf ? Écoute, Harp, on parle de prendre un week-end sympa, relaxant, et tout ce qui te vient à l'esprit, c'est comment rendre la détente stressante. J'ai pas eu de vraies vacances depuis une éternité. Je suis même pas sûr d'encore savoir comment me détendre. Vous arrivez à lire sur votre écran, là ? C'est pas trop petit, les textes ? Ça se lit ? En plus, Nora a vraiment trop hâte, ça serait vraiment pas pareil sans toi. Fais chier, vas-y, je vais check avec le RH et je vous tiens au jus. Je viens de réserver. Je suis sorti du taf, ça y est. Ok, je m'y dirige. Très bien ! Eh ben, il est là, Mike ! En tout cas, ça commence bien, les Creuses. Hein. Pourquoi tu me fais pas de câlin comme ça si je t'avais manqué ? Ah, pourquoi tu me fais pas de câlin comme si je t'avais manqué ? Les Creuses, Mike, je l'aime pas trop, il m'énerve. Hein. Je trouve qu'il est trop forceur sur nous. Il veut trop forcer, vous trouvez pas ? Bienvenue, Kylian. J'ai pas envie de lui faire un long câlin, là. Juste un câlin de test pour savoir si tu puais d'abord. Ah, ça c'est bien. Certes, mais pour info, je me suis douché spécialement pour l'occasion. Rien n'est trop bon pour Sydney Harper. Ouais, non, mais il est piqué, le mec. Il est totalement piqué, le gars. Il est amoureux de nous, hein. Il veut clairement ton boule. On est d'accord, hein. Bonsoir, Kylian, ça va ? Dans ses messages, on sent que Harp était quand même saoulé pour qu'il insiste autant. Ouais. Il est un peu insistant, ce garçon. Bon, bah écoutez. Pour l'instant, voilà quoi. Il est juste insistant. Est-ce qu'on lui fait un long câlin, du coup ? Bon, allez. Tu es beau. Et toi donc, Mike ? Tu peux juste balancer tes affaires à l'arrière et on va démarrer. Ok. Merci, Mike ! Comment je balance mes affaires ? Je vais d'abord jeter le sac à l'arrière. Comment ça, mon ref ? Ah ! J'ai pas de sac. Ouah, le mec veut nous choper, c'est sûr. Attendez, les Creuses, faut que je mette le sac derrière, j'ai pas de sac. C'est quoi ces conneries?
Et B. Dans l'ascenseur. Quoi ? Arrête, j'ai oublié mon sac dans l'ascenseur. Arrête tes conneries, j'y crois pas. Non. Mais non, c'est pas. Je ne veux rien entendre. Je ne veux rien entendre dans le chat. Ok, Harp, t'es prêt à prendre la route? C'est parti! Ça commence bien ce let's play, les crosses, ça commence bien. Ah, je vous le dis. Ah putain. Je vous jure. Non, rigolez pas, ça arrive à tout le monde. Hein. Ok, bon, pareil avec Mike, on va chercher Nova, du coup, j'imagine. Il commençait à neiger. Ok. En même temps, 8 décembre, oui, c'est l'hiver, quoi. Ne pas partir en vacances avec Toshi, il va oublier les billets d'avion dans l'appart. Ah putain, allez. Harp, c'est pas bizarre en vrai. Avant, on rêvait de fuir la fac, et voilà où on en est. En essayant de fuir la vie qu'on voulait vivre. C'est marrant comment ça fonctionne. Le changement, c'est juste une galère. Essayer de s'adapter à son nouveau travail. Comment se passe ton nouveau taf? On travaille sur ce projet qui utilise du machine learning pour prédire les tendances du marché. C'est vraiment le nec plus ultra. Tu sais, j'ai jamais pigé. Ça fait quoi les conseillers? On conseille. Ça sonne comme... Ah! J'ai un nouveau message de... Du proprio, les crozes. On va le lire. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous en pensez quoi du jeu pour l'instant? Ça vous plaît ou pas? En vrai, y a un truc, le jeu. Hein. C'est quoi, ça? C'est quoi? T'as vu ça? T'as vu ce bus scolaire? Il y avait un bus scolaire. Il était abandonné, le bus. Moi, je vous le dis, je suis déjà à fond dans le jeu, là. Je suis totalement immergé dans le truc, hein. J'adore. Alors, on va lire le message du proprio, tiens. Il est bientôt 17h et je n'ai pas reçu de confirmation de votre part. Je voulais juste vérifier que tout se passait bien. Ah ! Elle est folle, elle. Au flûte, c'était pas loin. Tu sais, j'ai lu sur internet que dans l'histoire des natifs américains, voir un cerf traverser ta route, c'est genre un message de l'univers. Ah, t'es relou là, Mike. Ferme ta gueule. Il est bientôt 17h, les routes près de Woodbury peuvent être un peu dangereuses si vous n'êtes pas du coin. Tenez-moi au courant quand vous arrivez, s'il vous plaît. Nous sommes en chemin et nous devrions arriver vers 18h. La neige nous a pas mal ralenti, merci d'avoir pris de nos nouvelles. Ok, confirmez-moi quand vous êtes arrivé, s'il vous plaît, faites attention à la route. Pour l'instant, le proprio, il est réglo, archi-réglo. C'est encore loin. Il devrait encore y en avoir pour 1h30. Très bien. Conduire sous la neige, c'est un peu comme traverser l'espace intergalactique. Comment ça, mon ref? Regarde comment les flocons virevoltent autour des phares. C'est comme si les étoiles et les galaxies fonçaient droit devant nous. Et t'as fumé quoi, Mike? C'est assez beau. Chelou le bug. Bizarre lui. 5h14. C'est vrai que Nova est pas là. Pourquoi Nova elle est pas avec nous là? Elle nous attend peut-être là-bas, je sais pas. Il est drogué, Mike. Il a pris des substances. Yo Harp, Matza. Oh!
une pizza. Oui. Ah oui. Oh, Mike, t'es le meilleur. Mike, t'es le boss. Ouais. J'ai tellement la dalle que je pourrais manger une pizza entière à moi seul. Bah go. Y'a pas besoin d'avoir la dalle pour manger une pizza toi seul, hein. Moi, même quand j'ai pas faim, je le fais, hein. Ok, on s'arrête à la pizzeria, les roses. Tiens, dites-moi dans le chat, vous êtes plus pizza base crème fraîche ou pizza base sauce tomate? Vraie question. Allez, entre, Harp. Merci. Let's check in with our field reporter. How's the weather out there, Phil? Oh, it's so cold out here, I can't feel my hands, okay? Like, the studio should have really brought some snow gear instead of buying that new coffee machine. I'm sure you'll be fine. You can have some coffee when you get back to the studio. Jerry, come by the studio. Et toi, t'as envie de parler? Oh, yeah? Comment ça va, mon ami? Ça va et toi? Tu es aussi bon qu'un homme peut l'être. Vous êtes là pour la pizza? Je cherche juste un peu d'aide. Is your 9 to 5 stressing you out? Take a vacation with rentacabin.com. We offer OK, lui il cherche de l'aide. Readily available and accessible with the click of a button. Comment est la pizza? En tout cas, ma chère, vous ne pouvez pas vous tromper en prenant la pepperoni. Pepperoni. Très bien. On va peut-être se prendre ça, hein. Chaque bouchée vous rappelle une histoire. Qu'est-ce qui vous amène chez Moz? Moz, c'est la pizzeria, les crozes. On va vers une cabine à Woodbury. Eh, lui, je sens qu'il connaît des bails. Lui, je sens qu'il vit là depuis 40 ans et qu'il connaît les bails sombres de la ville. Attendez. Woodbury, tu dis? Regarde. Incroyable endroit. J'y campais souvent quand j'étais plus jeune. Regarde. Il y a cette sensation d'être dehors dans la nature avec rien d'autre que les étoiles au-dessus de ta tête. Tes souvenirs, ça reste avec toi à vie. Enfin, je divague, jeune femme. Vous avez fait un excellent choix en vous arrêtant à Moz. Je viens chez Moz depuis 85. Ok, bon, pour l'instant... Vraiment, pour l'instant... RS, hein. Tout se passe normalement. C'est la première fois dans la région. Vous allez où? On est en chemin pour une conférence dans la prochaine ville avec mon pote. Ok. On s'arrête juste pour manger. Bon, on va commander, hein. Alors, fais voir un peu. Mot spécial, pepperoni 20%. Ce serait laquelle qui vous donne le plus envie, là? Ah, moi, ce serait là, en bas, là, la deuxième, là. Ok, allez, on commande. Mike! Bonsoir, les jeunes. On dirait que le froid a donné envie de pizza à tout le monde ce soir. Vous savez ce que vous voulez, les jeunes? On va prendre 3 par chacun. Je vais prendre pepperoni, fromaci et fettuccini. Et pour vous, mademoiselle, Bah écoutez, je crois qu'on va suivre les conseils du vieux. Il nous avait dit quoi, le vieux? Il nous avait dit la pepperoni, non? Je crois que le vieux nous a dit la pepperoni, les roses. On va partir là-dessus. Et pour la deuxième part, je vais prendre la spéciale de mots. Et la troisième, ça sera... fromage. Une boisson avec ça. Ça devrait aller, juste une pizza. Okay. Ça nous fera 22,50$. Je paye. Ok. Ouh.
Votre numéro de commande est le 27. Asseyez-vous, on vous appellera quand votre pizza sera prête. Muy bueno. Ok, on peut s'asseoir ? Ouais. On est en date ! Les Crows, on est en date avec Mike. Génial, hein ? Ça sent trop bon ici. J'ai faim ! Oh, on a des messages là. Nova ? Ah, c'est Nora, c'est notre pote. Nora. Oh, elle a laissé un vocal. Attends, quoi? Oh, you guys are going to hate me. I swear, I'll get on the road as soon as I can. But something last minute popped up. I'm not going to bore you with all of the details. The long and short of it is, one of my clients needs a last minute change. Their payments are about the only thing keeping them. Ah. I hate to leave so late, but I gotta keep them happy. I'll have this logo done before you know it and be on my way. Ok, en fait Nora, elle vient mais à part, elle prend sa voiture. Et là, elle est un peu derrière nous en gros, elle nous rejoint après. On est un peu en avance. Ok. T'as écouté le vocal de Nora dans le groupe? Ouais, je viens de l'écouter. On dirait qu'elle sera en retard, ouais. J'imagine qu'on va devoir commencer à s'amuser sans elle. Commande numéro 27. C'est pour vous les jeunes. J'y vais. On va se régaler là. Ah ouais. Allez, bon app hein. Elle a l'air un peu saoule. Ah, vous trouvez que Nova elle a l'air un peu dans le vocal? Ah ouais, j'ai pas fait le lien. Purée, elle tabasse cette pizza. Je peux pas croire que Nora rate cette pizza de fou. Allez, on se régale. Ah mais oui, c'est vrai qu'il y a une Nova dans le chat. Hein. Allez, on mange même les croûtes. Même les croûtes, elles y passent. Salut les amis, bonjour. Je vous ai vu conduire cette jolie vieille camionnette, c'est ça? Je veux pas vous déranger ou quoi que ce soit, mais je suis en direction du même chemin. Lui, je le sens pas. On dirait bien qu'on allait vraiment dans la même direction. Ça vous ennuierait de m'emporter avec vous. Je te le donne en mille. Oh non, on va devoir prendre quelqu'un. On va devoir prendre un inconnu. Vous allez où? Où est votre voiture? Où est votre voiture? Qui a besoin d'une voiture quand il y a des chouettes amis comme vous avec qui passer le temps? Oh, c'est flippant. Mec, fallait pas répondre ça, t'es fou toi. Vous saurez même pas que je suis là. Sage comme une image et encore plus gentil. Suspect 1000 sur 10. Alors vous en dites quoi? Ça vous ennuie pas de transporter cet esprit libre le long de cette route enneigée? Très bien, vous pouvez monter, je ne suis pas sûr, désolé ou non. Les Crows, dans le chat, vous décidez. Qu'est-ce que je dois répondre? Comment vous le sentez? Jamais je prends ce type. 2. Non. Non. Personne est chaud? C'est vrai qu'il a pas trop une tête à faire confiance. Hein. Jamais je prendrai quelqu'un en voiture, j'ai jamais confiance. Ouais, je...
Je vais répondre... Allez, pourquoi pas, on est là pour souffrir. Vous savez quoi, juste pour la curiosité, je vais le prendre. Attends une seconde. Ah, Mike, il va être jaloux. Il va y avoir un autre gars dans la caisse. Tu penses pas qu'on devrait en discuter? Bon, allez, grimper. Je suis pas sûr qu'on ait de la place pour un autre passager, mais si... Ah oui, c'est vrai, non, bah non, on n'a pas de place. On a que deux sièges. Vous pouvez sûrement me trouver une petite place, je peux me mettre au milieu. Je peux même me mettre dans le lit. Bon là, pour le coup, regardez les réponses. Hein. Regardez les réponses, c'est négatif. C'est la voiture de mes amis, je suis désolé. C'est un malade, le mec, en fait. Vous foutez de ma gueule, madame ? Pas de place. Je sais qu'il y a un siège au milieu. Vous avez peur de moi ou quoi? Vous êtes pas du genre sympa, vous. Les gens méchants rencontrent la méchanceté en personne. Vous feriez mieux d'être prudent. Oula, et en plus, il menace. Tu nous menaces, là? Mais grave. Non, non, vous m'avez mal compris, désolé. J'ai juste froid et je suis crevé, c'est tout. Oh là 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 là, alors lui, je sens qu'on va le revoir dans le jeu. T'es sérieux, comment tu peux laisser un étranger rouler avec nous au milieu de nulle part? Je voulais juste aider. Ouais bah des fois aider ça peut nous mettre dans de beaux draps. Ok papa. Ah bah dis donc. Ouais, très suspect quand même. Je suis d'accord. Il s'est énervé en plus, hein, vous avez vu? Purée, Harp, tu manges vraiment la croûte? Bah bien sûr, qui ne mange pas la croûte des pizzas? Je pourrais manger un pneu si j'avais pas assez faim. C'est trop bon les croûtes, les creuses. J'aime bien, moi. Ah, on peut roter. Est-ce qu'on se permet un petit rototo? Justin. Ah, la gueule de Mike. Meuf, qu'est-ce que tu viens de faire là? Mais t'es sérieuse ou quoi? Ah, on a eu des messages de Nora. Nova, pardon. Je sais pas pourquoi je dis Nora. C'est Nova. Conduis lentement, ça devrait aller. Nora. Cœur, cœur. Ce fut bien bon, monsieur. Misère, c'était trop bon. Bon, t'es prêt à prendre la route? On peut peut-être affronter la pire partie de la neige. On est encore loin? Si mon GPS se trompe pas, on y sera dans environ une heure. Donne-moi les clés. Je vais conduire. J'ai la priorité sur le choix des chambres si on arrive. Ok. Merci monsieur. Ah c'était bon hein. Faites gaffe sur la route. Merci. Oh, l'ambiance elle est géniale quoi. Allez on y va. Attends, est-ce que je peux... Je peux vraiment... Mais non. Attendez, je peux me balader là? Tu te fous de ma gueule? Je peux me balader là? Mike m'attendait. Ah merde. Ah, j'avais trop envie d'aller dans l'église là-bas. Il y a une église. Attendez, on va checker. Ah, ça aurait été tellement bien qu'on puisse visiter là. Oh, il y a un mec là-bas. Aller dans l'église là.
Mike m'attendait. Ah, on peut pas y aller, putain. Tant qu'il dort pas avec nous, j'ai pensé à la même chose. Hein. Je veux pas qu'il dorme avec nous. Hein. Je parie qu'il va prendre une chambre lit double. Quel enfoiré. Bon, allez, go. Regarde derrière la remorque de la voiture. Il y avait quoi, Georges? J'ai pas vu. 5h49. Good evening, Vermont. Oh, je conduis! Wow! Your hometown station. C'est pas... Ah! Putain, mais casse-toi, connard! Je peux pas klaxonner, moi? C'est vrai qu'il neige bien, les gros, hein. Regardez, le rétro, il est gelé, là. Roule à droite, bon sang. Ben, je roule à droite, là. Non? Attends, il y a deux chemins, là. Mike! On va à droite ou à gauche? Ah, bah, Woodbury, attendez. Woodbury à droite. Allez, go. Ce que je trouve génial, vous voyez, vous allez dire que c'est tout con, hein. Mais pouvoir conduire une voiture, s'arrêter quand on veut, je crois. Je crois que l'adresse c'était 241. Ok. S'arrêter en voiture n'importe où et pouvoir sortir de la voiture et comme ça sortir et visiter, rien que ça, c'est excellent, je trouve. Toshi, j'aurais peur d'être ta passagère. Pourquoi? Je conduis mal, Ecrose. Je conduis super bien. Alors, faut qu'on trouve notre... Il faut qu'on trouve notre... Notre cabane. On a une station essence ici. Arrête de me regarder comme ça, toi. Jésus, set free. Elle est là. Attends, c'est elle, non? Ou alors c'est elle? Je crois que c'est là. Celle-là. Nous y sommes! On va se garer. Hop là. C'était une petite maison pittoresque dans un quartier calme. Donc voilà la maison, les creuses. Bon, à mon avis, il va se passer une dinguerie à l'intérieur. Hein. Mais voilà à quoi ressemblait le... La réservation. Il y a une ambiance dans ce jeu, putain. Petite musique là. Vous imaginez, on voit quelqu'un à la fenêtre là. Ce serait ouf. Hein. Écoutez la musique. Allez, go. Ah oui, il y avait un code. C'est vrai qu'il y avait un code. J'ai mal au dos. Ouais, ça va pas fort non plus de mon côté. Mais il y avait un code, les grosses 51-76.
La porte était verrouillée, il fallait que je récupère la clé dans le coffre-fort. Oui, c'est ça. Il est où le coffre-fort? Maintenir BGS pour glisser. Ah, ok, nickel. Donc le code 50 5176. On y est là, 5176. Ah voilà, ok, c'est bon. C'est bon. Allez, let's go! Quel endroit stylé, je savais qu'on pouvait compter sur toi. Ça sent trop bon là-dedans. J'avoue, mais là, faut que j'aille aux chiottes. Prends ton temps, Mike. Pendant que je pars, tu peux mettre la bouffe dans le frigo. Ouais. La maison était cosy et bien meublée. Alors du coup, je me demande, est-ce qu'ils ont reproduit exactement la même maison que celle dans la vraie vie ? Comment je l'ouvre cette glacière ? S'asseoir à la table, ok. Il faut que j'ouvre la glacière. Bah attends, comment je fais ça, moi? RMB pour ouvrir. Ah. Ah, ok, c'est bon. Ah, la musique en fond, là. Ça crée une tension, ces conneries. Hein. Y'a plus rien. Je devais fermer le mini-frigo. Ah. Mike a fini de poser sa pêche. Ça va ? La route était longue et cette pizza m'a bien attaqué le bide. T'inquiète. Enfin bref, cet endroit a l'air trop bien. Ça a ce charme rustique qu'on voit quasiment plus. Ouais, c'est Mimi. Je dois vraiment aller faire pipi, je reviens. Vas-y, je vais déballer nos bagages. Alors là, les crocs, je sais pas pour vous dans le chat, mais je sais pas du tout ce qui va arriver. Pour moi, tout est normal en fait. Genre, pour l'instant, ça fait une heure qu'on joue. Attends, au moment où je dis ça, attends. Mike, il est parti par là, non? Pourquoi on entend une porte claquer là? C'est Mike? Ouais, du coup, je sais pas du tout à quoi m'attendre dans ce jeu. Ah, je dois faire pipi, putain. Hop. Rien que l'odeur m'indiquait que la pizza avait bien secoué Mike. Ah, le bâtard! Il a même pas mis du brise. Il a même pas mis la bombe. Ah, l'enfoiré, putain. On peut pas aérer, là? Échappe pour écrire à Rick. Bonjour, nous sommes arrivés. Mike. Ah, détruit.
vos toilettes. Désolé pour la gêne occasionnée. Cela ne se reproduira pas. C'est tellement dommage qu'on puisse pas l'envoyer. Papa la papa. Y'a pas de chasse d'eau ? J'aime pas l'admettre, mais je ne m'étais pas lavé les mains après avoir pissé. Tu te sens mieux après la conduite ? Oui, bien mieux. Tu veux qu'on check la maison ? Oh, je suis chaud de faire une visite. Ça me semble bien. Voyons voir ce que cet endroit a à nous proposer. Après toi. Ok, bon les crocs, c'est le moment de faire le tour de la maison. Alors, nous avons l'entrée, nous avons le hall. Ok, on a le salon qui est à notre gauche. Très bien. Une petite cheminée. A dark matter. The temperature inside fuses the sides of the buns together and creates an unearthly shape. Cry or tell. Even with my children of here, eat okay, do well, keep doing it. Since my cows disappeared, I take care of my sorrows with. Ok. Et qui ça? J'essaie de repérer le moindre truc qui pourrait être suspect. Hein. Là, déjà, cette pièce, elle est un peu bizarre, genre. Il y a une pièce là avec... Oh! Ouija? Ah! Je peux le prendre! Non! Touche pas à ça, malheureux! Mike, il y a une Ouija! Non, non, je prends pas ça, moi. Oh! Allez, on se casse. Ok, alors, très suspect qu'il y ait une Ouija dans le... Dans le bordel, là. Il y a une Ouija. Ce mec doit vraiment kiffer la pêche. Ah oui, j'avais pas vu, il y a des cannes à pêche. Ok. Oh, mais attendez, c'est grand. Ok. Ça fait un bail que j'ai pas pêché, à vrai dire. Ouais, il me colle, hein. Attends. Est-ce qu'il va pouvoir ouvrir si je ferme? Forcément. Ok, donc là, on a visité. On va aller à l'étage, tiens. C'est vrai qu'il doit choisir sa chambre, lui, cet enfoiré, là. Viens choisir ta chambre. Ah non, mais là, j'ai vraiment... Il m'a vraiment foutu les jetons, les roses. Il m'a vraiment foutu les jetons, là. Oh, putain, vache. Waouh. Mon cœur, il est à 150, là. Mon PC a encore failli voler. C'est lui, le proprio, du coup ?
Ah mec, tu m'as tellement fait bader. Vous nous avez fait peur. Oupsie, j'ai pas fait exprès. Je vais t'en coller des oupsies, moi. Bienvenue dans mon humble demeure. Quel joli jeune couple. Non, on n'est pas en couple. Paye ton seum, mon grand. T'as le seum, hein. T'as le seum que j'ai dit ça, hein. Hein. Je t'ai friendzone. T'avais pas besoin de forcer à ce point, Harp. Je répondais juste à la question. Ah, il a le seum, hein, Mike. Il a le seum de cette fée friendzone. Je voulais pas provoquer d'embrouille entre vous deux. On s'attendait pas à ce qu'il y ait quelqu'un ici. J'étais sorti chercher mon chat plus tôt et je me souvenais que la télé était en panne. Je me disais juste que j'allais faire un stop et essayer de la refaire marcher, puisque les gars précédents ont laissé une note négative à ce sujet. Ah. Vous savez, ils disent de traiter ses invités comme de la famille et ma famille doit avoir la télé. Ok. En parlant de ça, maintenant que vous êtes là les jeunes, laissez-moi vous montrer mon doux chez moi. Je ferais un bien mauvais proprio si je ne vous faisais pas faire la visite complète. Vas-y mec. Putain, il m'a fait peur ce bouffon, hein. Vous venez, mademoiselle? Elle arrive, j'arrive. Putain. Je m'en remets pas de ce jumpscare. Voilà votre douche. Ce truc vous fera penser que vous lavez sous une cascade dans la jungle amazonienne. Waouh. On en a de la chance. L'évier ne marche pas, malheureusement. Pas d'inquiétude, je vais vous réparer ça rapidement. Laissez-moi vous montrer l'autre chambre. Oh, j'aime bien cette chambre. Regarde, Harp, la pièce a une putain de belle vue. Bienvenue, Jacques Men. Vous trouvez ça sympa, monsieur? Attendez que je vous monte la terrasse. Suivez-moi, je vous en prie. J'aime bien cette chambre. Je m'y sens bien. Je la veux. Vous venez, mademoiselle? Mais attends deux secondes, je veux voir la vue. C'est ça, la vue? On a vu mieux. Hein. Allez, go. Salle de bain? Ah non, là, il va nous montrer la terrasse peut-être? Ah ouais. Bon sang de bois, c'est dingue. C'est clair. Content que ça vous plaise, les amis. C'est un de mes spots préférés. La vue sur la cirque. La crique est somptueuse. C'est aussi un super endroit pour pêcher. Ah. Très bien les jeunes, rentrons avant que j'attrape froid à nouveau. Bon, bah écoutez, la maison est très très sympa, hein. J'aime beaucoup. Hein. Putain. Voilà la pièce de stockage. Si vous avez besoin d'un truc, des outils... Des couvertures en plus, qu'importe, tout est là. Ok. Si des fois le courant saute, vous pouvez utiliser la lampe torche. Oh. Ok, ça veut d'emblée dire que dans le jeu, à un moment donné, le courant va sauter et on va devoir prendre la lampe torche. La lampe torche dans cette pièce. Je peux pas la prendre maintenant. Elle est où? Elle est là. Oh. Oh, ça va être génial. Oh, ça va être génial. Je vais la remettre à sa place. Hein. Ok, on a une lampe torche qui est ici, les crozins. Retenez. Hein. Au cas où j'oublie. Qu'est-ce qu'il fait? T'es possédé, Mike, ou quoi, là? Oh, la gueule. Ok les jeunes, je vois que vous avez déjà rempli le frigo avec des bonnes choses à manger. Oui. Vous
voyez la molette tourner là vers le haut pour refroidir et vers le bas pour réchauffer. Ok. Ça se passe tellement comme dans la vraie vie. C'est fou, hein. Oh putain, oh là, oh là là, oh. Ouh. Il est noir là-dedans. Oh là là, cette cave, elle cache des secrets, les creuses. Ça cache des secrets ici, c'est sûr. Des bails sombres. Rien d'inquiétant là-dessous. Juste le chauffe-eau et des vieux trucs de stockage. J'ai un assez gros réservoir, mais si des fois ça s'arrête de marcher, appuyez juste sur le bouton en bas. Ok. Hey monsieur, c'est quoi cette pièce là-bas? Vous sens venir ou pas? Vous avez pas besoin de vous soucier de ça. Pas à nous, hein. Pas à nous, hein. Je dis ce sous-sol comme stockage. Les locataires en ont pas besoin. Ils ont tout intérêt à rester en haut. Ah, il s'est grillé, le pauvre. Continuons. Ok, donc dans cette pièce... Putain, en plus, il a carrément mis un panneau. No access to guests. Aucun accès pour les visiteurs. Je ne pouvais pas ouvrir la porte. Oh, ça me terrifie là que c'est... Que ça s'est passé dans la vraie vie, ça. Genre, juste avoir cette porte et que le gars... Et que le gars te dise... Surtout, vous n'y accédez pas. C'est moyen. Et Kiki qui a fait un sub à Nani. Merci beaucoup, Kiki. Il cache des trucs, c'est sûr. Allez, go. Est-ce que j'ai précisé? Ouais, non, oublié, je devrais garder ça pour moi. C'est moi ou il commence à être suspect, là, le gars? En l'espace de 30 secondes, il est passé de cool à mec suspect. Il y a des trucs chelous dans la pièce, c'est obligatoire. Bienvenue Kiyu Kawa. Putain de merde, ça y est, ça commence. Oh non, le gars à qui j'ai acheté cette maison, eh bien, il m'a dit que sa mère était morte ici. Sacrée ambiance au chalet. Certains invités m'ont dit avoir entendu des voix la nuit. Allez, on rentre dans le bain, ça y est. Ils disaient qu'ils entendaient un truc traîner les pieds là-dessous. On y est, les creuses. Je veux pas vous effrayer, mais si j'étais vous, j'irais pas m'aventurer là-dessous. En gros, je dois pas descendre ici, quoi. Mais t'imagines, on te dit ça? Imagine, t'arrives dans le truc, on te dit ça. Hé, les regards sur vos visages. Allez, quoi, je plaisante. C'était une blague? Mouais. À ce stade, mon détecteur à mec louche était en alerte et avoisinait les 6 sur 10. Hé, c'est énorme! Au début du jeu, on, pour le délire, on se disait ça. Et là, il vient de le... 6 sur 10 ? Oh, je mettrais un bon 8,5 quand même. Hein. Ok, les jeunes. La neige commence à bien s'amasser. Je vais reprendre la route. Faut que je trouve ce foutu chat. Merci de nous avoir fait la visite. Oh. D'ailleurs, rappelez-moi le nom associé à la réservation. Je me fais vieux. Je m'appelle Sydney. Ah, Sydney, c'est ça. Un joli nom pour une jolie fille.
moi ou ce mec est super bizarre. Très chelou. Je vais aller prendre une douche. Ouais, franchement, les crows. Mais moi, ce qui fait tout l'ambiance de ce jeu, je me répète, hein, c'est que je sais que c'est réellement arrivé. On a toqué ou c'est moi? On a toqué? En fait, c'est vraiment le fait que ce soit une histoire vraie qui me rend fou. C'est ça que j'adore. Ok, on va prendre notre douche. J'avais hâte de prendre une douche à l'étage. Ah, faut que j'aille à l'étage. Ok. Je pense que ce n'est pas le propriétaire. Ah, vous pensez que c'est pas lui? Que c'est juste un squatter? Sydney va finir bâillonné dans la cave. IRL. Bon bah merci monsieur, mais on va rentrer, hein. Ciao ciao. Du coup le chat se balade peut-être dans la maison, ouais. Bah allons prendre notre douche, hein, que voulez-vous que je vous dise. C'est là? Ouais, c'était là. Putain, si on voit quelqu'un pendant que je me douche, je pète un câble. Hein. Je vous le dis. Hein. La porte de douche était ouverte. J'ai pris ma douche, là, c'est bon? J'avais pas besoin d'une douche. Non, il y a un beat là. Ah 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 ah, c'est quoi ça? Local time singer invader from space revealed truth about New Algeria. J'entends des bruits bizarres dans la maison. Je sais pas si je suis en train de psychoter là. Depuis que le vieux il a dit qu'il y avait un mort, enfin que la mère était morte ici. Et Harp, Matza, j'ai trouvé cette canne à pêche dans la remise. Ça te dit d'attraper notre dîner? Ah, on va aller pêcher. Putain, attends, c'est-à-dire qu'on va pêcher les poissons et qu'on va aller manger après? C'est trop bien. Merci Ralen. Hein. C'était super mignon, Alan. Viens, Harp, c'est par là. Allez, on va pêcher. Et on arrêtera ce live après la pêche, les crows. Parce qu'il est déjà 23h. Et oui, le temps passe vite. Tu veux attraper l'autre canne à pêche? Ouais. Fais péter. Oh purée, j'ai vu une recette de fou pour de la carpe cuite au four. Faut que je prenne des... J'avais les mains prises. Putain, on va pêcher ? Ouais, pêcher la nuit, c'est un peu bizarre quand même, hein. D'accord avec vous. Bizarre. Alors. Oh putain. BGS pour lancer, BDS pour mettre le crochet. Let's go!
Vous avez déjà pêché les crosses dans la vraie vie? Moi, une fois. C'était un fiasco. Y a eu quelqu'un qui est passé sur le pont à gauche. Plus qu'une carpe. Allez, go. On va la balancer loin. Le voyageur, c'était lui? Non, arrêtez! C'était le voyageur de la pizzeria? Non. C'est vraiment mal branlé leur truc, hein. Ok, c'est bon. C'était lui? Il avait un sac à dos? C'était son sac à dos, je l'ai reconnu. C'est le voyageur avec son grand sac? Me dis pas qu'il nous a suivis jusqu'ici quand même. Allez, on balance tout, on s'en bat les couilles. Ouais, c'est flippant un peu là. Putain, il peut être n'importe où cet enfoiré. Mike, je crois que j'ai vu le mec chelou de la pizzeria. Fais gaffe. Non, j'ai fermé, je crois. C'est rien. Ah, j'ai... Je crois que j'ai tout fermé. Ah, il y a la cave, là, attendez. Moi, cette cave, elle m'intrigue de fou. Hein. On n'entend rien derrière. Hein. On n'entend rien derrière. Bon, ok. Des news de Nora, j'ai pas vu. Non. C'est vrai qu'elle faisait très bourrée quand même. Hein. Non, c'est toujours pas où est Nora, les crosses. Pendant que je nettoie les poissons, ça t'ennuie de préparer la marinade. Aucun problème. Tu prends juste un bol et tu mets de la pâte de cuisson, du poivre noir, du sel, des assaisonnements italiens, du paprika et du yaourt. Je m'en charge. On est en train de préparer du poisson. Avec une petite marinade, des petits légumes. Je crois qu'on va mettre ça au four, hein. Qu'est-ce qu'il me dit? J'ai vu que ça doit y cuire, ouais c'est ça. 30 minutes à 200. Bam! C'est parti! Putain, le four il fait un bruit de micro-ondes, j'adore. Il est où? Ah, il est là. Ces carpes vont avoir un goût de dingue. Si tu le dis. Pendant que ça cuit, ça te dit des jeux de société. J'en ai vu un dans la pièce à côté du salon. Prends juste ce qui t'attire, j'ai hâte de voir ce que tu as pris. J'en ai vu dans la pièce à côté du salon. Les crosses? On n'avait pas vu une Ouija dans cette pièce hier. C'est pas... Est-ce qu'on joue à la Ouija? Est-ce qu'on fait les fous ou pas? Rentacabin.com and enjoy the stay of a... Est-ce qu'on fait les fous? Elle est là. Après, il y a d'autres jeux, hein. On peut prendre un Whisper in the Dark, hein. On peut prendre un Tower Stock. On peut même prendre un Mega Rounds. Mais moi, ce qui m'attire, c'est la Ouija, les roses. Je prends de la Ouija. Soyons fous. Pourquoi se priver? Waouh, c'est une planche de Ouija? Un jour, Holly m'a dit qu'elle avait contacté sa grand-mère décédée à travers une de ses planches. Le fou... Bonne idée, le Ouija. Teste les autres en vrai. Ils cherchent les embrouilles. Bah oui. On est là pour ça, non? Oh, tu te souviens comment Rick était chelou à propos du sous-sol? Et si on s'essayait ça là-dedans?
C'est une super idée. Du Ouija dans le sous-sol. Belle écrose. On est sur une soirée de qualité, là. Le poisson va cramer. Non, c'est 30 minutes, Max. 30 minutes, on a le temps. Fais gaffe aux araignées là-dedans. T'inquiète. Ah, il prend la table. Ah ouais. Logique. On va jouer là, comme ça. Dans le noir. Tu sais ce qui rendrait ça encore plus flippant? On éteint les lumières et on voit si ce truc marche vraiment. Je peux pas l'éteindre celle-là. Waouh. Bon, tu sais comment ça fonctionne, Harper? Ah, la musique. Ouais, ouais. Les bruits de piano, vous entendez? Fous les jetons, hein. Les crows, est-ce que vous savez comment ça fonctionne, une Ouija? Je pense qu'on connaît le fonctionnement. On en a vu des Ouija dans les jeux d'horreur. Hein. Très bien, tu commences. Y a-t-il des esprits ici présents qui souhaitent nous parler? Ah, c'est marrant, je peux bouger un peu le... Oui. C'est pas possible, c'est toi qui le bouge? Non, c'est pas moi. Ok, j'en ai vu un aussi. Hey chef, comment ça se passe la vie après la mort? Est-ce respectueux? Je touche à rien. F. Vivais-tu dans cette maison? Es-tu amical? On va dire s'il est amical. Allez mon gars, donne-nous un signe, montre-nous que t'es là. Putain de merde! D'habitude, je suis pas du genre à croire aux fantômes et aux esprits. Y'a un truc qui a bougé? Mais ce serait mentir que de dire que je me sentais pas à l'aise cette nuit-là. Y'a un truc qui a bougé, les crows. Mais l'autre, il s'est barré comme une pute! C'est quoi ce délire? Porte tes couilles, Mike! Il se passe des dingueries là-dessous, Harp. C'était chelou. Le truc chelou, c'est que tu m'as laissé tomber. Je veux dire chelou que tu m'as abandonné. Je pensais que tu bougerais ton cul aussi. Ok, le poisson est prêt. Bon! Bah je crois que la Ouija a fonctionné, hein, pour l'instant. Notre émission va commencer, ça te dit de regarder la télé pendant qu'on mange. Allez. Je vais attraper une assiette. Tac! On va se régaler. Je regarde s'il n'y a pas l'autre, vous savez, avec son sac là. La voiture a bougé, ah bon?
Bon app, hein. Faut peut-être que j'allume la télé, non? Attendez, j'ai pas allumé la télé. Simmer in the salt bath. We can start making the chocolate. Take a couple cocoa beans. Yes, the cocoa beans need to be blended into the sauce with a little bit of vinegar. Gotta keep that fancy flavor in there. The next thing we prepare is the mayonnaise. We stir fry this in a pan with Irish... J'ai peur qu'il y ait un truc qui me saute à la gueule. I'm not gonna lie. This is gonna taste like shit. But here you are anyway, listening to my cooking instructions. This is the brine of the mayonnaise. We gotta inject it with a little anesthesia. C'est en train de parler de mayonnaise là? It doesn't revolt against us. It gets very angry once it knows we're trying to cook it. After doing that, we mix all the ingredients together in a tray and place it inside. J'avais fini. Okay, and while that's cooking, we can start on the appetizer. Gasoline-soaked ramen. Now this dish is extremely hard to make. A dish only for experienced cooks. It requires a lot of patience. Ok, il va chercher son PC à l'étage et moi je vais débarrasser les roses. Très très bien. Y'a pas un lave-vaisselle ici ? Fous ça où moi ? Oh putain, c'est énorme, on entend les bruits de pas de Mike à l'étage. Bah je crois que c'est lui. Attends. Il fallait que je fasse la vaisselle avant d'aller au lit. Il fallait que j'attrape les assiettes. Ok. Il va y avoir quelqu'un qui va passer à la fenêtre. Paris ? 100%. Il joue avec nos nerfs. Hein. Il joue avec nos nerfs. Hein. Message. Je crois qu'il y a quelqu'un sous mon lit. Là maintenant, tu peux monter. Quoi ? Comment ça, Mike ? Oh putain, ça sent encore la blague. Les crocs, je vous jure, je me fais plus avoir. Hein. Oh non, il va encore me faire une blague de merde. Marche lentement, fais pas de bruit. C'est où déjà sa chambre, putain? Je m'éloigne parce que je sens le jumpscare de ouf là. Qu'est-ce que j'avais dit? Putain, je m'y attendais, j'ai quand même eu peur. Ah. Oh. Vous aussi, vous avez eu peur? Salut Lyon. Ah, t'arrives au moment où ça pète. Un peu. C'est juste une blague. Tu veux qu'on prenne une revanche? Ça te dit un cache-cache? Ah putain, on va jouer à cache-cache! Ok, go. Faut qu'on se trouve une planque. Vite. J'ai décidé de me cacher dans la cave. Mais quelle magnifique idée après une séance de Ouija! C'est vrai. Très intelligent, ça. Très, très intelligent. J'adore. J'ai décidé de me cacher dans le recoin des escaliers. Oh là là. Oh. Ah bah. Ah. Ok, on fait gaffe.
Ah merde! Trouvé. C'était même pas un peu dur, je pensais que tu serais doué vu que je te trouve jamais. Ok, c'est à mon tour. Faut que je compte les creuses. Espace pour fermer les yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prêt ou pas prêt, j'arrive. Bon. On sait qu'il s'est pas caché ici. Donc il est forcément à l'étage. On l'a vu monter. Salle de bain. Salut Kiyukawa, ça va? Oh le bordel qu'on a foutu avec les jeux. Ok, il est pas là, il est pas dans le salon. Il est pas dans la salle de bain. À mon avis, il est à l'étage. C'est là où il disparaît, arrête. Tu sais quoi, je vais prendre ça là. Je l'ai toujours pas utilisé depuis le début du jeu. Trouvé. Attends, Harpe, j'ai cru entendre un truc à l'étage. Dupe-moi une fois, honte à toi, dupe-moi deux fois. Je rigole pas, Sydney. J'ai vraiment entendu un truc glisser là-haut. T'as pas entendu? Je jure sur ma vie, j'ai entendu un truc. Quoi? Y'a un truc dans le grenier? Je pouvais pas l'atteindre sans le marchepied. Nous voilà dans le grenier, les creuses. Oh putain, c'est le chat. Oh, oh du con, tu m'as fait peur. Ah, oh, il m'a fait peur. Bon, y a rien ici. Je vois rien par le chat, les creuses. Je pense que c'est safe. Du coup, c'était le chat qui a fait du bruit, en fait, au final. C'était le chat, hein. C'est juste le chat. J'ai renversé ma bière sur moi. Quel soulagement, j'ai eu peur l'espace d'un instant. Attends, ah, il joue là. Et si tu essayais de rendre ça un peu plus galère pour moi cette fois? Ok, faut qu'on se cache. J'ai décidé de me cacher dans la remise du jardin. Go. C'est ici la remise? Putain, je sais même pas si c'est là les creuses. Est-ce que c'est ça la remise ou pas? Dans la remise avec le type au sac à dos qui rôde, ouais, c'est une magnifique idée, hein. Il arrive. Attends, je crois, j'ai entendu une porte claquer. Ouais, j'entendais pas.
Il est là. Il est là. Oh, il est trop fort, hein. Ok, il se cache une dernière fois et après on va dormir. Espace pour fermer les yeux. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est reparti. Il est dans la cave. J'en suis sûr qu'il est dans la cave. Non, il est pas là. De bain. Non. Il est pas allé dans le grenier. Attendez. Est-ce qu'il aurait pu aller dans le grenier, ce con? Peut-être. Oh, ça va me faire peur, hein. Attendez, tous les coups il est là. Il est pas là. Ah, le balcon. Non ? Bah putain, mais il est où ? Bon, il est forcément là. Putain, c'est qui lui ? Eh, salut ! Putain, mais pourquoi vous êtes encore là-dedans ? Je répare le robinet, ça pose problème ? Oh putain, c'est le... J'ai jamais vu quelqu'un réparer un robinet à coup de marteau avant. Attends, c'est le proprio ? J'arrive pas à le reconnaître là. C'est lui ? C'est combien de temps que vous êtes là ? Je suis arrivé il y a à peine quelques minutes. Bah attends, mais... Il a même pas toqué à la porte. Écoutez, faut qu'on aille dormir là. Vous me demandez de partir, mademoiselle ? Bah oui. On a loué cette maison et on voudrait la voir pour nous seuls. On veut vraiment pas en arriver au point d'appeler les forces de l'ordre. Y a pas de flic à Woodbury, fiston. Je pense qu'ils vont arrêter le proprio pour avoir réparé le robinet. Je fais juste un peu de travail, si vous pouvez pas gérer, c'est votre problème, pas le mien. Vous savez quoi ? Si ça vous plaît pas que je répare le robinet, les jeunes, je vous laisse faire. M'appelez pas si ça recommence à fuir. Mike, tu gênes un peu là. Et gros, je sais pas quoi en penser là de cette histoire. Le robinet ne marchait pas.
Eh mais dites-vous que c'est arrivé dans la vraie vie, ça. Hein. Cette dinguerie, là. C'est bon, il s'est barré. Waouh. Après avoir verrouillé la porte, on a débattu sur ce qu'on allait faire. On s'est mis d'accord sur le fait qu'il y avait un truc qui cloche chez Rick dès le début. Je suis assez d'accord. On aurait dit qu'il aimait trouver des excuses pour se pointer sans prévenir. Au final, on a décidé que Rick était bizarre, mais sans doute inoffensif. On a attribué son comportement à un manque extrême de conscience sociale. Écoute, on a déjà fait tout le trajet en voiture, profitons juste, a dit Mike. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment épuisé. J'ai décidé de me reposer un peu. 11h39. On toque à la porte. Oh putain, ça va, c'est Mike. Nico, merci pour ton sub, t'es 32 mois, waouh. Merci Nico, c'est gentil. Harp, t'es encore réveillé? Dur de dormir quand quelqu'un frappe à la porte. Ça t'ennuie si je rentre, j'aimerais parler de quelque chose. Tant que c'est juste parler, ça me va. Attention. La tempête commence vraiment à s'intensifier, j'arrive à peine à voir la camionnette dans l'allée. Toshi, lis mon message, s'il te plaît, voir si c'est une bonne intuition ce que j'ai dit. Alors, attendez, je viens de voir un truc là où il y a le grenier, quand on est caché dans le grenier. Il y a le micro qui apparaît, donc je pense qu'à un moment, il y aura quelqu'un à un moment dans la maison et faudra se cacher et pas faire de bruit. Probablement. Probablement. J'espère que Nora va bien. C'est vrai que Nora, elle est toujours pas arrivée. Et il y a une tempête de fou à l'extérieur. Elle ira bien. T'inquiète pas. Je suis là pour te protéger. Là, il veut vraiment me pécho. Hein. Les mecs sont censés protéger les gens qu'ils aiment. Ah, du coup, il change de sujet. Mike, non, t'assois pas sur le lit, mec, non. Pourquoi ne pas venir t'asseoir à côté de moi, Sydney? Harp, tu sais, ça m'avait manqué. Juste nous qui parle, ça faisait trop longtemps. Tu sais, il va essayer de me galocher, non? T'as pas besoin de dormir seul ce soir si tu le souhaites pas. Balance-lui la lampe au visage, j'aimerais bien. Lâche une caisse ou rote. Mike, d'où ça vient ça? Qu'est-ce qu'il fait? Tu fais comme si tu avais oublié notre voyage en Oregon. Je me souviens que c'était bien gênant. Au début, c'était pas gênant. Mike, on avait beaucoup bu. Il s'est passé des choses. Oh putain, il a profité de nous parce qu'on avait bu. Nora, à l'aide s'il vous plaît. Attends, il y a Nora qui appelle de l'aide là.
à l'aide. Guys, I think I'm about 70 miles away from Woodbury and my stinking tire just blew out. It's snowing and I'm on the side of the road on Highway 11 near Killington. There's a sign by the side of the road. It's hard to see. I think it says Kent Pond. The snow is like half of a deep and I can't get the lug nuts off the tire. I hate to ask, but can you two come get me? Ok, en gros, Nora, elle est en train de dire qu'elle est à environ 7 km du village, mais qu'il neige de fou. Et en fait, elle voit plus rien, elle peut plus conduire. Du coup, elle demande si on peut aller la chercher. Quel timing, hein. Mais bon, on peut pas laisser Nora galérer. Par contre, lui, c'est un énorme fils de pute, du coup. Il vient de nous dire qu'il a profité de nous, qu'on avait bu. Et du coup, il essaie de gratter le... Ah, c'est horrible. C'est un malade, ce mec. Bon, faut qu'on trouve Nora, les roses. Laisse-moi m'habiller, je te retrouve en bas. Allez, casse-toi, putain, tu pues, là. Tu restes là. Non, Sydney, tu restes là et tu te reposes, ça sert à rien qu'on soit à deux à se geler le cul dehors. T'es sûr? Oui, je suis sûr, t'es en pyjama et je suis encore habillé. Installe-toi, je m'occupe d'aller aider Nora. Ok. J'aime toujours être gentil avec toi, Sydney. Allez, casse-toi. Alors là, le problème, les crows, c'est qu'on va se retrouver tout seul dans la maison. On continuera d'en parler demain. Ok, repose-toi bien et reste au chaud. Putain, arrête de forcer, bordel de merde. Je réponds même plus. Allez, hop, ça dégage. Elle est où, ma lampe? Oh non, ma lampe. Oh, ma lampe. Mais non. Je l'avais posée là, non? Non. Ma lampe torche. Je n'aurais pas pu aller au lit sans verrouiller la porte de devant. Ouais. Go, 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 go. J'ai plus de lampe. Ah non, non, pas de câlin. Avant que je parte, ça te dit un câlin. Quel enfer, ce mec. Je devrais aller dormir. Casse-toi. Casse-toi. Il faisait un froid glacial dehors. Ça m'inquiète un peu qu'on reste seul dans la maison, les Crows. Je voulais avoir un peu de repos jusqu'à ce que Mac et Noah arrivent. Bon, bon, bon. Pourquoi il n'y a plus de lumière, là? Putain, on voit plus rien, les Crows, j'ai pas ma lampe. Oublie pas de fermer les portes, ouais, c'est fait. Je vais aller pioncer. Ok. Je me suis dit que les choses s'amélioreraient si je me reposais. Nora savait toujours comment me remonter le moral et j'en avais de plus en plus besoin. Avant son arrivée proche, j'ai décidé de me reposer en attendant. Minuit 39. Vous le sentez que c'est pas Mike et Nora? Est-ce que vous le sentez que c'est pas... Quelqu'un était à la porte de devant. J'ai perdu ma lampe, ça me fait chier. Est-ce qu'on répond? Ouais, il insiste de fou là. Attends, on va regarder qui c'est. Oh putain de merde. Réaliser que quelqu'un était dehors aussi tard. Mais putain, c'est le... Ah putain, c'est le... Avec son sac. C'est le voyageur. Fais le mort. Oh putain, c'est lui. Non, 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 je réponds pas. Vite, faut que je me cache.
c'est sûr. Je suis sûr, il a attendu qu'on soit seul pour débarquer. Y a pas de voiture en plus. Ah, c'est le mec au sac à dos, ouais. Il toque plus. Ah si, il toque encore. Bon, les creuses, on va répondre. Putain. Bonjour. Écoute, mon ami, je sais que c'est pas ouf de frapper à ta porte en pleine nuit, mais je suis un peu dans la merde là. Je comptais sur des amis pour me laisser monter, mais ils sont en arrière et seront pas là pour encore deux bonnes heures. Vous n'entrez pas, point barre. Tu te fous de ma putain de gueule, là? Oh là là là. Vous allez me laisser geler dehors? J'aurais dû me douter que t'étais toujours autant une salope que tout à l'heure au truc de pizza. Mais imaginez que ça arrivait dans la vraie vie, les roses. Là, ce qu'on vit... Quelqu'un l'a vécu. Tu crois que je vous ai pas vu, toi et ton petit copain, pêcher à la crique plutôt? Je m'en doutais que c'était lui, on l'avait vu au loin. Je me suis dit que vous me donneriez une chance cette fois, mais on dirait que t'es toujours pas sympa. Dégage ou j'appelle les flics. Alors c'est con de dire ça parce qu'il n'y a pas de flics. Le proprio a dit qu'il n'y avait pas de flics à Woodbury. Ah putain, y a pas de flic ici. Aïe aïe aïe. Il est au courant. En parlant de ça, je vois pas la camionnette de ton pote non plus. J'appelle le 911, bien. Faites comme chez vous. Putain, il bouge pas. Hein. Les creuses, il me faut un téléphone là. Je suis en train de paniquer. Il est où le téléphone? Mais laisse-moi te dire un truc. Tu paieras pour m'avoir laissé dehors. Le karma est une belle salope, mon ami. Vu ma fatigue, j'éprouvais peu d'intérêt pour l'homme à la porte. Ok, il est parti. J'arrivais pas à garder les yeux ouverts, il fallait que je dorme. Mais quel enfer. Attendez, Croc, j'aimerais bien retrouver ma lampe quand même. Ah, elle est là. Yes. Ah putain, je suis refait. On voyait rien. Alors, est-ce qu'il est vraiment parti, vous croyez? On peut checker le... Attendez, on va checker le... Le jardin. Il est pas là. C'est fou, hein. Que ce soit vraiment arrivé, ça. Allez, on va dormir. Mais moi, à aucun moment, je dors là, les creuses, faut être fou. Y a eu un cri là. Rick, désolé de vous embêter à nouveau, mais pouvez-vous repasser nous voir? Il y a quelqu'un qu'on a rencontré sur la route, il cogna à la porte et a commencé à me menacer. J'ai assez peur et je crois l'entendre se déplacer dehors autour de la maison. Pourriez-vous venir voir vu que vous habitez si proche? Oh! Rick répond. Rick répond. Thank you.
j'ose vraiment pas aller dehors. Ça vient de sonner. Ah putain, c'est le proprio. Rick avait beau être étrange, ça m'a soulagé de le voir à ce moment-là. Oh. Attends, à tout moment, c'est lui le psychopathe. Hein. Et je l'ai laissé rentrer là. Oh là là. C'est quoi ce bazar ici? Oh Dieu, merci, vous êtes là. Expliquez la situation. Ouais, je suis venu aussi vite que j'ai pu. À votre place, je ne m'inquiéterai plus à son propos. Il a buté? Non. Je me sentais toujours pas à l'aise. D'ailleurs, où est votre ami, le gars qui était avec vous plus tôt? Il devrait plus tarder. Donc tu es toute seule ici actuellement. Je crois qu'on a fait une boulette. Il est de mèche avec l'autre taré. Les crocs, c'est trop bizarre. Ouais, mais mes amis devraient arriver d'ici peu. J'ai pas d'armes. Il regarde autour. Il vient de regarder tout autour. Les crocs, je sais pas quoi faire. Ce genre de tempête ramène toutes sortes de gens. Ils savent pas tous quand rester à l'écart. Rick. C'est pas le proprio. C'est pas le proprio. Ta mère! T'approches pas! Faut que je me casse. Je me sentais toujours pas à l'aise à l'idée d'ouvrir la porte. Allez! Putain! Why, hello there! And welcome! Il faisait un froid glacial dehors, bah reste dehors ma grande. Putain, je peux pas aller dehors les crocs. Tout va bien mademoiselle? Il est bien tard pour envoyer des messages, non? Vous parlez à qui? Merci d'être passé quand même, ça devrait aller maintenant. Tu peux repartir si tu veux. T'es sûr de ça? Ouais. Peut-être que je devrais rester un peu. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu viens de dire? Confronté. Je le confronte! T'es qui, bâtard? C'est ma putain de maison! Je me barre quand je veux! Tu dois partir immédiatement. Je crois pas, non. Si quelqu'un quitte cette maison, ça sera l'un d'entre nous. Monte au grenier, il il casse la poignée pour que personne puisse rentrer. Oh. Bon. Ok. Putain, c'était pas le proprio, j'en étais sûr. Ok. Bon là, je trace hein, les crocs. J'ai pas ma lampe torche. Merde, j'ai reperdu ma lampe. Putain. Allez là. Ok. Ouh. Ah regarde, il regarde bien autour et tout, hein. Quel enfoiré. Ok, direction quoi les crocs du coup? Quand il va m'agresser, faut que j'aille en haut dans le grenier, non? Faut
Faut que j'aille où quand il va commencer à m'agresser? La cave? Ou le grenier? Ok. Des meubles en haut. Réponds hôtel à la Belle au Bois Dormant, on est presque arrivé. Ils sont là. Ils sont là, ils sont là. Ils sont là. Mike et Nora, ils sont arrivés. Oh non. Je pense que le jeu veut que j'aille à la porte, ouais, c'est ça le problème. Je pense que je dois répondre à la porte sans me faire griller en fait. Ah, c'est ça, écoutez, la musique. Il s'est barré. Il s'est barré par derrière, regardez. Il est parti. Wow! Câlin! Gros câlin, Mike! Mike! Ah, il va en avoir des câlins, ce con. Je leur ai raconté tout ce qui s'est passé après que Mike soit parti. Rick avait appelé les flics. La tempête s'était calmée entre-temps à leur arrivée. Et bien sûr, l'homme était introuvable. Putain, la dinguerie. Toute la nuit se rejouait encore et encore dans ma tête. On pense que le gars qu'on a vu vivait en secret dans la cabine quand elle était inoccupée. C'était un squatteur en fait. Et qu'il comptait nous cambrioler pendant notre séjour. Ah ok, il vivait dans la cabane, dans le jardin. Et il voulait nous cambrioler. Mais les flics semblaient croire que ce gars comptait faire plus que juste nous cambrioler. Oh. Rick m'a demandé à quoi ressemblait l'homme. Et après ça, il n'a plus posé de questions. On pense qu'il en savait plus que ce qu'il nous laissait croire. Mais au final, il nous a remboursé intégralement. Tu m'étonnes! Eh ben putain. Par contre les crocs... Ah on va... Ah non c'est dommage, on voit pas ce qui se passe dans la cave. Il se cache quoi dans la cave là? Je voulais voir ce qu'il y avait derrière la porte moi. Ah merde. Ah donc les flics sont venus et tout hein. Ah on sait pas ce qu'il y avait derrière la porte en bas. Ouais. Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé savoir ce qu'il y a.
Eh ben, c'était sympathique. C'était sympa ce jeu. J'ai bien aimé l'ambiance, franchement, bien. Après, Fear to Vasm, c'est un peu la valeur sûre. Ok, les crosses, bah écoutez, voilà. Fin du chapitre 5. Il y en aura pas d'autres, normalement. C'était le dernier. Voilà, il y en a plus. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Putain, mais ça, l'histoire, hein, j'aurais pas du tout aimé être à sa place. Hein.